ami Sitio Black 67, donc toujours en vacances et au Portugal, comme je suis tout là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça, pastéis nat. C'est l'espace spécialité portugaise hein, que tout le monde a sûrement déjà entendu parler, probablement. Et c'est une chose qui est une tradition. Hein. Si vous venez au Portugal, forcément, je vous conseille de le goûter parce que ici, c'est mieux, c'est bien fait. À moi, c'est un très bon pastéis nat. Il y a aussi certains qui vont demander un peu à la personne, la serveuse ou le serveur, il va vous demander si vous voulez un peu de cannelle par-dessus. C'est aussi très bon, mais moi j'apprécie, je préfère comme ça nature. Voilà. Alors, voilà. Donc, moi j'ai reçu ceci. Ça s'appelle un bitoque. C'est, il y a des frites, la salade, un steak du porc et un œuf. Et ma femme, elle a pris un menu qui est un peu traditionnel de la région, si je ne me trompe pas, hein. C'est du bacalao à brache. Donc c'est de la morue effilée avec des patates, c'est tout est lié avec l'œuf. Et c'est... Alors, ici un plat typique de la région aussi, mais que j'aime bien, c'est des moules avec de la viande de porc, avec des frites. Et une salade, comme on peut voir dans l'assiette. Et ici, ils mettent la sauce rouge, la sauce pili pili. C'est très bon. C'est un assiette, que, on va dire incontournable, que chaque fois qu'on vient, on aime bien le prendre. Parce que c'est très bon. Et pour accompagner ça, un bon petit vin rouge. Je ne sais pas s'il est de la région, mais je vais y demander plus tard. Allez, bon appétit, à tout bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Alors ici, un autre plat traditionnel, s'appelle bitoque. Donc il y a deux frites, un morceau de viande, un œuf, du riz, de la salade. Et là, j'ai choisi un accompagnement de la bière Super Bock. Mon épouse, elle va manger une pizza avec du vin rouge. Mais ça, c'est aussi un plat typique d'ici de la région. Voilà. Une bonne portion, normalement on n'a plus faim une fois qu'on a mangé ça. Allez, ciao ciao, bye bye, à plus.